La coureuse kényane Agnes Tirop, double médaillée de bronze au championnat du monde, a été retrouvée morte. Abattue dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 25 ans, la jeune femme a été identifiée à son domicile d'Eton, dans l'ouest du Kenya, avec des coups de couteau à l'abdomen. La Fédération Athlétisme Kenya a déclaré ne pas connaître les détails des circonstances de la mort de la jeune athlète, en ajoutant que le pays a perdu un joyau. C'est mon ami qui nous a quittés dans des circonstances peu claires. Nous n'avons pas encore accepté que c'est Tirop, pour qui nous avons prié chaque jour avec tant d'espoir de faire des choses puissantes et bonnes pour le Kenya. Et maintenant qu'elle a été abattue comme ça, nous sommes dépités. Agnes Tirop a remporté des médailles de bronze dans les 10 000 mètres féminins aux championnats du monde de 2017 et 2019 et a terminé quatrième dans le 5000 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a des révélations qui sont venues de la famille de son mari, indiquant que le mari avait appelé ses parents en pleurant. Il leur expliquait que Dieu pouvait le pardonner car il avait fait quelque chose. La carrière d'Agnes Tirop a décollé lorsqu'elle a remporté le titre mondial de cross-country en 2015 à l'âge de 19 ans, devenant ainsi la deuxième plus jeune championne de l'histoire.